Hey, hola team de Skydoll, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bien que mes vacances se terminent, et on a réussi à garder le moral tout du long, à affronter ces conditions sanitaires quelque peu compliquées. J'espère que pour vous, également super bien passé, que vous avez pu vous ressourcer surtout, et affronter cette petite rentrée. Alors la vidéo d'aujourd'hui va donc parler de Konosuba. Donc Konosuba est un jeu mobile dit Gacha, donc avec invocation de personnages contre la monnaie du jeu ou premium. Mais pas que, Konosuba à la base est un manga, un isekai, un personnage dans un monde fantastique. Voilà, c'est en gros un mec qui rentre dans un MMORPG, grosso modo c'est ça. Qui est plutôt sympa, assez léger, alors c'est pas le manga de l'année. Hein. Il est sympa, assez léger, j'ai bien aimé le manga. Mais du coup je me suis dit pourquoi pas, en tant que gamer, voyez, on est forcément plus attiré par ce genre de manga là aussi. Je me suis dit, vas-y, on va essayer ce jeu. Il était en préinscription tout l'été. Il a marché du tonnerre. Vraiment, il y en a eu énormément. Il est sorti, je crois, avant au Japon. Donc, ils ont un petit peu d'avance sur nous. Ce qui a permis de faire tier list sur le jeu. Déjà, des personnages à obtenir. Parce qu'il y a tous les personnages de l'univers de Konosuba à obtenir. Donc, je vais vous montrer de suite la tier list qui vient de Reddit. Vous voyez ce qu'ils ont classé en SS. Le perso pour lequel vous voulez reroll, c'est-à-dire recréer un compte en chaîne jusqu'à l'avoir. Ça va être Melissa. Ça est un super bon personnage d'attaque surtout, ce qui est le cas aussi des trois autres en S, que ce soit Megumin, Explosion, Cleo ou Chris. Les trois personnages là sont aussi des gros personnages d'attaque. Et grosso modo, même dans le A, sont aussi des personnages d'attaque. En dessous, les B et les D, c'est des personnages de défense. Et du coup, tout le monde a estimé que pour pouvoir bien progresser, il nous faut des personnages qui tapent fort, voire très fort, plus qu'un personnage de défense pour avancer dans l'histoire. Qui me semble assez logique, c'est pour ça que je me permets de partager cette tier list là. Pour ma part, j'ai effectivement obtenu Melissa, celle qui est SS tier là-haut. J'ai fait un reroll et je l'ai obtenu au deuxième reroll. Donc voilà, je suis, ça suffit, c'est bon. Même si j'ai pas eu l'autre, j'ai pas optimisé avec les 4 meilleurs d'entrée. À un moment, il faut jouer, on est là pour s'amuser. Donc je cherche juste un perso qui est bien, dit bien entre guillemets, et ensuite je l'ai. Donc j'ai obtenu la Melissa. Donc il vous faut voir qu'il va y avoir plusieurs Melissa à invoquer. Là, je vous montrerai ensuite comment reroll. On va regarder ensemble maintenant comment invoquer et où invoquer. Surtout parce qu'il y a plusieurs bannières. Regardez, vous allez sur recruter en bas. Une fois à l'intérieur, là pour l'été, vous voyez, il y a phase 2, été, premium et autres. Donc là actuellement, il y a des personnages dits maillot de bain. Ouais. Et on a Melissa. Qui est là. Mais c'est pas cette Melissa là, pardon, qu'il vous faut. Vous voyez, ça c'est la Melissa élégance. Ce qu'il vous faut, c'est la sœur de trésor, celle que je vous ai montré, que j'ai dans la box, et vous pouvez l'obtenir que sur cette bannière là, c'est la bannière premium, ou bien sûr sur les tickets d'invocation gratuits. Je vais vous montrer ça. Donc vous allez dans info, et bien sûr, et vous pouvez voir que dans le recrutement premium, donc la dernière bannière que j'ai montré, la Melissa qu'on veut, elle est ici, c'est chasseuse de trésor. On a 0,2% de chance de l'obtenir. Parce qu'il y a quand même beaucoup de persos. Hein. Donc ensuite, il y a l'autre bannière, c'est recrutement par ticket 4 étoiles garanti. Ça, vous en avez un quand vous commencez le jeu, il vous offre un ticket 4 étoiles. Là, vous avez 5% de chance de le trouver. Et quand même pas mal, il y a plus de chances que vous l'ayez là que dans un autre tirage. Ensuite, dans le ticket de recrutement 3 ou plus garanti, 0,2, pas de souci. Recrutement bon départ, ça c'est au début, vous avez droit à une multi gratuite. Le jeu vous dit, vas-y, fais une multi, prends tes premiers persos, c'est 0,2 aussi pour Melissa. Ça, c'est parfait. Mais par contre, dans le recrutement de maillot de bain, ce que je vous ai montré au début, on a la Melissa élégance qui a 1%, ça c'est en maillot. Et la Melissa qu'on veut nous, elle y est aussi. La sœur de trésor, elle est ici. 0,1. Donc ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que sur la bannière été 2, été, vous avez 0,1% de chance d'obtenir les persos premium. Et vous, c'est des persos premium que vous cherchez. Les persos tier list qui sont tout en haut, que ce soit Melissa en S, que ce soit Chris, Cléo, ou même Megumin Explosive, vous l'avez à la loterie premium ici à hauteur de 0,2% de chance. Et dans les loteries été 2, ici 0,1% de chance. Tapez ici vos invocations, les gars. Réellement, ça sera, je pense, plus safe pour essayer d'obtenir ces persos là qui vont pouvoir vous carry en early. C'est-à-dire, jeu, c'est eux qui vont faire, les gars, pour pouvoir vous emmener au plus loin. Comme vous voyez, j'ai fait moi que la première invocation gratuite ainsi que le premier ticket qui vous donne un ticket dans les cadeaux ici. Pensez à accepter tous vos cadeaux. Il vous donne un ticket 4 étoiles. Là, ce ticket 4 étoiles, ben, c'est la section qu'on a vue où il y a 5% de chance d'obtenir Melissa. Donc j'ai encore ici 9800 gemmes que j'ai obtenues dans mes cadeaux.
mais aussi c'est dans événements, je vous les donne. Vous allez dans bonus sortie du jeu, vous faites obtenir, et ici regardez, vous avez encore une multi de 10 supplémentaires qui se mettra dans vos cadeaux. Une fois que vous avez tout pris, vous serez aussi à 9800. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, mes petits tirages. Eh, attendez, on va continuer à recruter. Vous pouvez essayer de tomber sur du bon personnage. Ben, bonne chance à nous, let's go. Allez, un petit Megumin. Une petite Megumin, ça serait pas mal. On a même du 5 étoiles. Oh, 5, 4, pardon. 5 étoiles, déformation, du Brave Souls. Ça c'est triste, ça c'est une 3 étoiles. Peut-être un 3 ou 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Aïe, 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 une des pires. Ah ouais, une des pires, très axée défense. Bon. Voilà, elle a quelques atouts quand même. Allez, on peut skip ensuite. Voilà, donc le jeu vous récapitule. Vous avez tout ce qui est nouveau pour vous dans cette minute. Allez, rejouer. On repart, on est reparti pour un tirage. Ah, ça brille de partout. C'est sûr qu'on a un 4 étoiles. Mais ça brille, hein. 3 étoiles, ils servent surtout d'armes. C'est pas eux qui vont carry l'équipe. Hein. Ni les deux, d'ailleurs. Et eux surtout. Très bien ça. Chris voleuse de haut vol, c'est très très bon perso. Regardez dans la tier list. Et S grade, c'est la deuxième dans le S grade. Donc c'est un très bon pool ça. Donc on a un SS et un S déjà pour démarrer. On est pas mal. Reste un peu skip, ça va être du 4. Pas de soucis. Alors encore une fois, le jeu vous remontre tout ce que vous avez de nouveau. Donc dites-moi les gars, vous, ce que vous en pensez un petit peu de ces petits jeux. Est-ce que vous êtes attrait un petit peu au gacha ou pas du tout? Moi, comme vous avez pu le voir, ceux qui viennent me voir en live de temps en temps, ben, je fais un petit peu de Bleach Brave Souls parce que ben, j'adore la licence Bleach, qui est un manga, et j'ai bien accroché. Donc c'est un peu... on aime pas, voilà, vous voyez, on fait un petit peu, on y revient, on s'en va 6 mois, on revient. C'est comme ça que ça se passe pour moi, ça dépend le temps que j'ai, c'est sur téléphone, quoi. Et si vous êtes attrayant, on pourrait se faire un petit peu de ce jeu-là en live aussi, voir quelques vidéos pour bien commencer, de présentations qui peuvent être cool. Dites-moi les gars, franchement si ça vous chauffe, dites-moi, je serais ravi d'en faire avec vous. Donc on a eu un 4 étoiles dans celle-là aussi. On va voir qui est-ce. T'as quoi, un petit support, ça mérite. Bah, très axé attaque pour l'instant. Darkness. Ah. Ouais, dites-moi vous dans les commentaires bah, vos tirages, ce que vous avez eu. Voilà, ce que c'est le plus. Vous attendez le plus. Kazuma. Vous pouvez le voir tout en bas, dans le D, vous voyez, avec Darkness. Voilà, j'ai eu deux tops, deux très beaux tomes. Voilà, moi c'est plutôt even du coup, ce qui s'est passé chez moi. Voilà, le récap, le récap. Voilà, donc maintenant... Et... Ok. Moi, ce que je ferai à votre place, je lance, j'ai la première multi gratuite, je la claque. Si j'ai un qui va de SS à A, je m'arrête là, je le prends et je continue à invoquer. Si j'ai en dessous, je ne pars pas avec ça, comme les deux derniers pools que j'ai eu. Vous voyez, Darkness, Kazuma, je ne pars pas avec eux. Je reroll de suite. Donc, reroll, comment faire? Reroll, c'est simple, vous allez dans menu. Une fois que vous êtes dans menu, vous allez dans profil. Une fois dans profil, vous faites supprimer compte. Vous appuyez donc sur réinitialiser le compte. Vous écrivez réinitialiser le compte. Et OK, et cela supprimera votre compte. Si vous écrivez quoi que ce soit d'autre, ça ne fonctionnera pas. Voilà la team pour Hyrule, c'est très simple. Et vous allez voir, pour arriver jusqu'à le moment où il faut invoquer, je parle, la première invocation qui vous permet de voir si oui ou non vous gardez ce compte-là. C'est 3 cinématiques à passer, c'est bon, vous êtes de retour. Une fois que vous aurez supprimé votre compte, ça vous ramène à l'écran d'accueil. Vous recommencez. 3 cinématiques à passer, vous invoquez, c'est pas bon. Et pour les tryhards, ceux qui sont là pour les petites meufs de Konosuba et qui déquichent bien, et let's go les gars, on va pas se prendre la tête. Vous voyez ce que je veux dire. C'est après tout pour aujourd'hui, au moins cette vidéo qui vous parle de la tier list. Je rappelle qu'elle sera en commentaire. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Je serai là pour y répondre, moi, et d'autres de la communauté. Dites-moi si aussi vous souhaitez d'autres petites vidéos de Konosuba. Et un petit jeu sur lequel je pense je vais passer quelques temps, combien de temps je vais rester, je ne sais pas. Vous savez, commencer avec les gacha, on reste pas éternel, on s'en va, on revient, on s'en va, on revient. C'est le cas de Bleach que j'adore, Bleach Brave Souls, qui je pense que j'adore en tant que manga. Je suis
Donc, BBS. Si vous me suivez en live, vous voyez que de temps en temps, je suis dessus. Quand je fais un petit time, une petite partie, un petit stream le matin, ben, je suis dessus. Chill, quand on commence tard, voilà, à 8h, on se lance dessus, on prend un café, on discute avec vous. Ah, une bonne. J'aime bien faire des rencontres, donc pourquoi pas. N'hésitez pas, venez me voir en stream. C'est plus fun, on interacte ensemble. Bref, dites-moi quand c'est, si ça vous intéresse. Si vous avez quelques petites vidéos tuto, auquel cas ben, je me lancerai dans le jeu, je me renseignerai, je ferai des trucs un peu énervés pour faire des belles vidéos tuto. Sinon, ben bon, j'aurai de temps en temps juste en stream comme ça, chill. Je vous souhaite du coup une excellente rentrée, les gars. Allez-y à fond dès le début. C'est maintenant qu'il faut tout mettre, c'est maintenant qu'il faut se faire remarquer. Je vous fais de gros bisous parce que j'ai envie de faire des bisous en cette fin d'été malgré tout. Et je vous dis très très vite. C'était Skydal, ciao!